Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 juin 2024 et je vais vous faire donc les signes astrologiques. Donc je commence par le bélier. On va regarder aujourd'hui avec le béline tirage de 5 ou 7 cartes selon ce qu'on me dit et le tirage à la coupe, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc toujours, du coup, ça change, mon petit code, c'est moins 30% actuellement sur le site d'Essence Mana. Il n'y a pas de code, ça se met automatiquement, c'est sur tout votre panier. Il y a juste, je crois, c'est le tapis Nebula qui ressemble beaucoup à celui-ci, et un oracle et un autre truc, c'est marqué de toute manière sur le site, vous inquiétez pas, qui n'a pas la réduction. Sinon, tout le reste, vous avez moins 30% sur tout votre panier, d'accord, sur tous les articles. Donc c'est une promotion du moment, donc il n'y a pas de code à remplir, ça se fait automatiquement, d'accord. Donc sur le site d'Essence Mana, donc par exemple, voilà, vous avez ce petit ange en ardoise avec le signe Métatron au milieu, et vous pouvez faire graver, alors moi il a été gravé sous le nom de Amber Rose, qui est un pseudo, hein, je le précise, parce qu'on m'a encore redit la dernière fois, oui, voilà, Amber Rose est bien un pseudo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, vous avez plein de produits, donc c'est jusqu'à, il me semble, je vais pas dire de bêtises, fin juin, qu'ils font cette super promotion de moins 30%, donc allez-y, allez voir, ça vous permettra de faire plein de petits cadeaux, et justement, de pouvoir régler aussi en 3 fois sans frais avec Scalapé. Excusez-moi, c'est que j'ai eu un moment, voilà, j'ai eu un truc je sais pas, qui m'a été dit, c'est pas grave. Donc, on va faire les béliers et ou ascendant bélier. Ah ben là, on me parle d'un beau revirement favorable sur un blocage qui pouvait y avoir lieu jusqu'à présent. D'accord? Alors le bélier, par exemple, si vous voulez une pierre qui correspond au signe du bélier, vous avez l'améthyste, d'accord? L'améthyste qui est une pierre violette. Voilà, il y en a beaucoup en Auvergne, avec tous les volcans qu'il y a. Voilà, vous pouvez vous balader des fois dans certaines forêts en Auvergne et vous avez des améthystes qui sont à même le sol. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller gratter bien profondément, mais en tout cas, voilà, pour le bélier, vous avez l'améthyste. Voilà, une très belle pierre, une très bonne pierre pour vous, les béliers ou ascendant bélier. Allez, dites-moi, mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers pour ce mois de juin 2024, qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour le mois de juin 2024? Oh là là, ça va piquer, ça va piquer. Alors j'ai beaucoup de jalousie, de méchanceté autour de vous, beaucoup de paroles qui sont mauvaises, hein, qui sont dites autour de vous. Peut-être même vous, hein, qui vous mettez en colère. Moi, j'ai Mars là, en plus Bélier, bon, vous savez, hein, c'est Mars. Donc, c'est Mars-Avril, donc voilà, ça va ronquer dans les brancards. Là, on me dit pour le mois de juin, j'ai beaucoup de colère et quelque chose qui pète, quoi, qui explose, hein, d'accord? Alors, en fait, c'est quelque chose, c'est un mal pour un bien, c'est pour votre propre plaisir, parce que vous étiez bloqué jusqu'à présent, despotisme, voyez, et vous voulez retrouver une certaine paix, et du coup, vous allez mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, parce que stop, quoi, stop. Voilà, il y avait une situation malaisante, peut-être en relation, soit amoureuse, soit au travail, d'accord, mais on me dit que franchement, ça va changer. Ça va changer parce que vous allez tout péter. Et ça, je l'avais déjà dit pour le mois de mai. Et j'avais dit que de toute manière, ça continuera sur le mois de juin. D'accord? Donc, vous allez mettre un gros coup de pied dans la fourmilière, là, pour pouvoir... voilà. Et pour arrêter peut-être des gens qui parlent dans votre dos. Ou alors, c'est vous qui allez vraiment dire aux gens leur cas de vérité. Hein, d'accord? Oui, moi, je vous avouerai, je suis bélier ascendant bélier. Là, ça bouillonne un petit peu, là. Dans certaines personnes, je crois que... certaines, elles vont être très étonnées de ce que je vais leur dire. Allez. Dites-moi pour les béliers et ou ascendant bélier. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers et ou ascendant bélier? Alors, on va faire 5 pour commencer. On va recouvrir une fois et on va regarder tout ça. Ouais, parce qu'on abuse de votre confiance. Voilà, moi, les béliers, là, c'est vraiment... vous voulez retrouver du calme. Voilà, vous voulez retrouver du calme dans votre vie de couple, dans votre vie relation amicale, peut-être dans votre travail. Vous avez envie de retrouver un... quelque chose de calme, de bien, sauf qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous bloque dans ce que vous voulez faire, et on me parle d'abus de confiance, peut-être d'amis, de personnes qui sont autour de vous, vous pensez que c'est vos amis, mais en fait, méfiez-vous, d'accord? On me dit, on abuse de votre confiance, vous, femme, homme, ou
femme, homme, abuse de votre confiance autour de vous. D'accord? Allez, pour les béliers et ou ascendant bélier, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de juin 2024? Regardez comme c'est mieux. Regardez comme c'est top. Moi, on me dit que vous avez raison, hein. Vous avez raison, les béliers, de peut-être, voilà, vous rendez compte qu'il y a des gens qui parlent sur votre dos. Parce que vous voyez, là, j'ai pensé amitié et abus de confiance. Vous voyez, de personnes autour de vous, hommes ou femmes. Donc, on me dit qu'il y a des gens qui parlent sur votre dos, qui vous empêchent d'évoluer, d'avancer, que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans le travail, d'accord? Vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, on me parle d'un blocage au niveau autour de vous et de paroles qui sont dites, voyez, elles sont là, les paroles, et qui ne vous mettent pas en paix, qui vous empêchent de vous réaliser, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amoureux. Mais moi, on me dit que vous, vous allez vraiment, vous allez démasquer tout ça. Vous allez démasquer tout ça. Et tout à l'heure, à la coupe, j'avais vraiment bouleversement, accident. C'est-à-dire que soit vous claquez la porte, tout simplement, soit vous mettez un gros coup de pied dans la fourmilière et vous dites aux gens leurs quatre vérités, d'accord? Et moi, on me dit que là, vous allez partir sur quelque chose de nouveau, d'accord? Parce que j'ai l'union, la renommée, on apprécie vos talents, on apprécie votre travail et on va apprécier un petit peu que vous disiez aux gens ce qui est vraiment la vérité, hein. Moi, on me dit ça, la renommée, vous allez claironner sur tous les toits. Moi, de toute manière, qu'est-ce qu'il va y avoir après? C'est une belle abondance, là, pour le mois de juin. Pour le mois de juin, j'ai tout qui se débloque, hein. D'accord? J'avais mai, l'autre jour, mai, juin, je disais, ça va être à la frontière des deux mois, là. Mais là, ça se débloque, d'accord? Allez, l'oracle des miroirs. Donc, j'ai enlevé le miroir magnétique, normalement. Oui, je l'ai enlevé, je le vois sur le côté. Allez, dites-moi à la coupe. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers et ou ascendant bélier? L'abondance, l'abondance, l'envie d'abondance. Alors là, j'ai l'argent, mais c'est l'abondance. La sexualité, c'est l'envie, hein, l'envie de réussir, l'envie d'y arriver. Et comme je vous l'ai dit, regardez, autour de vous, que ce soit famille, amis, collègues, des gens qui vous entourent sont jaloux de vous, sont jaloux peut-être de votre évolution et veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Regardez les serpents qu'on a ici. Ça blablate, ça parle dans votre dos, ça dit des choses et vous, vous en avez ras-le-bol, quoi, en fait. On me dit là, stop, d'accord? Il va y avoir un retour de communication. Moi, on me dit que vous allez vraiment communiquer. Vous voyez, j'ai le retour de la communication auprès de ces gens-là. Vous voyez, communication, qui parlent dans votre dos, qui vous disent du mal, qui essayent de vous bloquer. Ça peut être aussi vos enfants, hein, d'accord? Ça peut être aussi vos enfants qui blablatèrent dans votre dos, d'accord? Et moi, j'ai un retour comme ici, là, de communication avec votre entourage, votre famille, vos enfants, vos amis, dans votre boulot. Il y a quelque chose, on vous jalouse et on dit des choses mauvaises sur vous. Stop, d'accord? Stop. Et là, on me dit que vous, homme ou femme, j'allais dire, vous voyez, homme ou femme, pour avoir une meilleure santé, du calme, être posé, regardez, j'ai un beau miroir magique sur vous. Donc franchement, vous allez pouvoir, je regarde si ça continue derrière, un beau cadeau, la maison, contrat d'amour. D'accord. Donc ce qu'on me dit, c'est que vous, homme ou femme, franchement, allez-y gaiement. Si vous devez changer de boulot parce que ras-le-bol, bah, vous claquez la porte. Si vous devez, à un moment donné, quand ça se passe mal, quand vous voyez que vous ne pouvez plus évoluer, il faut avoir les coronas de s'en aller, hein, d'accord? Donc, oui, j'ai fait espagnol, deuxième langue. Donc, à un moment donné, voilà, là, c'est bon. Vous voyez, mais j'avais dit, c'est les débuts, ça va bien se passer, il y a des choses qui vont bouger parce que vous étiez bloqué jusqu'à présent. Là, juin, c'est la concrétisation de tout ça. Moi, on me parle d'un nouveau contrat d'amour ou association ou nouveau contrat, peut-être achat de maison, déménagement. Vous débloquez tout parce que vous allez communiquer en ce sens-là et vous allez vous libérer de toutes les merdes qu'il y a autour de vous, d'accord? Moi, on me dit une meilleure santé, beau cadeau, maison, déménagement ou alors dans votre lieu de vie, dans votre lieu de travail parce que la maison, c'est... soit l'entreprise, soit c'est le travail, hein, vous prenez, soit l'entreprise, pardon, soit votre maison familiale, vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, il y a quelque chose qui est mauvais, des gens qui sont autour de vous qui parlent mal de vous, hein, mauvaise communication, et vous, bah, vous allez tout péter. Écoutez, hein, moi je vous dis, là les béliers, ça va ronquer dans les brancards, et du coup, ça va débloquer tout ça, et ça va aller beaucoup mieux pour ce mois de juin 2024. Voilà, pour les béliers et au ascendant bélier. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas à partager. Et je vous dis à très, très vite. Bye, bye.